Chers amis de Train Simulator, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Let's Play sur Train Simulator. Nous allons aujourd'hui faire un service régional sur la Zemmeringbahn avec une petite composition plus lock, comme lock une EVB 1044 et des voitures classiques de la EVB. Et nous voici maintenant en cabine. On nous dit bonjour conducteur, veuillez ouvrir les portes pour les passagers afin qu'ils puissent entrer et puis configurer votre lock pour le service régional à destination de Payerbach. Alors, j'active encore vite fait l'Induzi, donc le système un peu préhistorique du PZB. Et donc on nous dit un train de 84 tonnes, de 210 tonnes et de 94 mètres. Voilà, petite photo pour la miniature qui va bien. Et avec une loc, ben, somme toute un peu bien sympathique, qui est donc pas mal du tout. Non, ça c'est pas celle que je voulais bouger. Voilà, nickel. Et voilà. On est prêt à partir dès que les portes voudront bien se fermer, avec donc ce service régional qui part de Zemmering. Donc on est un peu en haut de la carte de la Zemmeringbahn. Et on va donc faire le service régional en s'arrêtant à toutes les stations jusqu'à Payerbach-Reichenau. Donc ça va faire un dénivelé de quasiment 400 mètres avec ces petits wagons bien sympathiques à compartiment de la EBB. Petite composition très sympathique. Je sais pas si c'est... je pense pas que ce soit vraiment avec ces compositions qui font le service régional. Ça ferait un peu des petits soucis pour le rebroussement à Zemmering. Croisement d'un train de container. Double traction également. Je regarde juste le signal de sortie de Zemmering parce que je voyais pas. Toujours bien de pouvoir voir le signal de sortie avant de pouvoir partir. Voilà, les portes sont fermées, on relâche le frein et puis on va gentiment tractionner un petit coup. Voilà, ça tractionne. Et puis donc, on est parti pour cette descente assez vertigineuse. Donc la Zemmeringbahn, on se trouve sur la Südbahn de la EEB, pour être exact. Südbahn qu'on avait déjà fait sur sa partie slovène, du côté donc tout au sud, qui relie donc Vienne en direction de l'Italie, en passant par justement la Slovénie. Et puis axe obligatoire, on va dire, pour passer sur cet axe, puisque le tunnel de base est encore en construction et devrait être terminé d'ici, sauf erreur, encore 4 ou 5 bonnes années. Mais donc voilà, nous quittons la gare de Zemmering pour s'arrêter déjà d'ici 500 petits mètres à la gare de Wolfberg-Kogel, enfin halte plutôt de Wolfberg-Kogel, Kogel, il n'y a pas de umlaut, Kogel. Le tunnel de Kartner-Kogel, qui commence déjà bien avec 200 mètres de tunnel. Et on a un petit caduc directement derrière. Voilà, et on va gentiment freiner
pour s'arrêter. Alors cette loque freine bien, donc on a de la marge. Et quand je vous dis que ça freine bien... un petit peu plus quand même pour immobiliser le train. On est quand même en pente de 18 pour 1000. Voilà. Magnifique. Franchement, cette ligne est magnifique. Il n'y a pas à dire. C'est une très belle ligne que ça fait un moment que je voulais vous faire, mais que je cherchais un peu désespérément un scénario sympathique pour le faire. Les scénarios donc inclus avec cette loque sont... je me suis dit, ça convainc assez bien. Il y a des arrêts, donc c'est pas trop répétitif. Bah, c'est vrai que la vitesse de cette ligne n'est pas ultra haute. On va plafonner, il me semble, aux 70 km/h maximum. Et là, vous voyez, on est sur 50 km/h. On peut lâcher les freins, les portes sont fermées. Ouais, on va quand même donner un petit coup de traction pour mettre en vitesse le train. Et vu qu'on est en pente, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Directement le tunnel de Wolfsberg. Voilà, là, il n'y a plus rien besoin de faire. Un peu écolo sur les bords quand même. Hein. Je regarde juste si la Wesel prend automatiquement le freinage. Elle n'a pas l'air, on va freiner donc. Elle ne prend vraiment pas. Voilà, mieux. Donc on est dans un scénario en été, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais bon, à la visualisation, vous pouvez voir effectivement la végétation verdoyante, signal de bloc ouvert. Donc nous entrons dans le tunnel de Weberkogen. Ah, ça va y aller au ouais, niveau des tunnels, hein, c'est de la ligne de montagne en hélico et d'eau. Bien comme on les aime. Et pendant qu'on croise une petite Taurus également en service voyageur, je pense à l'Intercity ou Eurocity. Traverse le viaduc de Adlitzgraben. Voilà, on va pouvoir un petit peu accélérer en sortie de la courbe. Le bloc est toujours ouvert. À la 60, on va même pas accélérer, hein. Vous voyez à quel point la descente, 20 pour 1000, hein, 1,5, ça vaut la peine. Là, visiblement, c'est quand même la Wesel qui la garde, hein, donc on va bien aussi, hein. On va pas s'en plaindre. On va essayer de prendre une petite vue sympathique depuis là. Voilà. Magnifique. Ah franchement, si vous voulez faire des captures d'écran belles sur cette ligne, vous avez du choix. Normalement,
c'est un scénario plutôt facile, donc normalement les, on ne devrait pas avoir trop de restrictions au niveau des CEO, mais on sait jamais, le signal de bloc est ouvert, c'est parfait. Répétiteur ouvert aussi. Oula, vu dans le tunnel, pendant qu'on traverse ce viaduc de Caltrinet, magnifique viaduc. Et le tunnel de Oléroux. Répétiteur toujours ouvert. Alors qu'on approche le signal d'entrée de Breitenstein, qui est ouvert, sortie ouverte également avec un arrêt. Voilà, on va laisser gentiment garder la vitesse jusqu'à le plat. Enfin, quoique ça risque peut-être d'être un peu tard. On va voir. On freinait trop tôt quand même. Hein. Ouais, je pense. Ouais, on va gentiment freiner quand même. Maintenant qu'on est en palier. D'ailleurs, le bâtiment réagirait est plutôt là, donc il serait pas mal qu'on s'arrête assez tôt. Ça, c'est le manquement dans les connaissances de ligne. Hein. Le chaîne du frein est également rapide. Hein. Voilà. Bon, on est à quai, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que niveau passager, c'est pas ultra sympa comment c'est arrêté là. Même la dernière voiture est tout juste à la fin du bâtiment voyageur. On a eu fait plus sympathique comme arrêt. Hein. Enfin voilà, petit arrêt très court. Porte fermée, on peut y aller, le signal était ouvert tout à l'heure, on n'a pas de visualisation, donc je pense que ça va aller. Pourquoi on n'avance pas? J'ai tiré peut-être trop tôt, voilà. La locomotive est dotée d'un coupe-circuit ou je ne sais pas trop quoi pour empêcher le départ tant que on a des portes ouvertes, c'est ce qui est bien, ce qui est bien. Voilà, sortie ouverte, c'est parfait. Et petit croisement de nouveau avec une autre loc 1044. Donc on passe le tunnel de Weinzettelfeld. Suivi lui-même du Weinzettelwand tunnel. Là, c'est un bon tunnel entrecoupé, enfin, c'est trois tunnels entrecoupés de deux galeries couvertes, comme vous pouvez le voir ici. Long tunnel hein, de presque 700 mètres. Le temps de faire un petit hélicoïdal pour toujours descendre. Hein. On a toujours notre belle descente à 20 pour 1000. Ça doit être un signal de bloc celui-là, il est ouvert.
de nouveau un petit viaduc de Rumpelgraben. Pendant qu'on se fait un petit excès de vitesse. Voilà, s'il vous plaît, merci. Répétiteur ouvert, bloc ouvert. Encore un petit viaduc. Petit pont. Maintenant le petit tunnel de Gamperln. Suivi lui-même d'un autre viaduc hein, de Gamperlgraben. Petite maison de garde-voie qu'on pourrait dire. Ça devait être quand même assez particulier de vivre dans ces petites maisons au bord des voies. Signal de bloc et tout. Non, c'est le signal d'entrée de Clam Chantvin qui est ouvert. On retrouve un peu plus des maisons en quantité pendant qu'on passe le viaduc de Wagengraben. Ces ouvrages, franchement, les pilares. La vue qu'on a magnifiquement reconstituée. Alors, c'est ouvert pour la gare et la sortie également. Pour le petit tunnel de Clam, justement. Et on va gentiment se préparer à s'arrêter pendant que je me laisse avoir avec un petit excès de vitesse de nouveau. De nouveau l'entrée assez proche de la fin du quai. On va essayer de freiner assez tôt cette fois. J'ai freiné assez tard l'électrique. Vous pouvez bien dégager du bord du quai, messieurs dames. Aïe aïe aïe, ces voyageurs. Voilà. J'étais plus pessimiste que ça sur l'arrêt là. J'aurais pas pensé que j'arriverais à m'arrêter comme ça. Yes! Arrêt propre, comme on dit. De nouveau, temps d'arrêt très court. Toujours à l'heure, hein, visiblement. Donc ça devrait le faire assez bien. Nickel. Voilà, cette fois, on se laisse pas avoir par la petite temporisation de la libération de la loc. Répétiteur ouvert hein, pour la sortie, toujours. Presque trop accéléré. Enfin bref. Voilà, cette fois on va pas se laisser avoir. Une petite UM entre une 1044 et une Taurus, justement. Pour ces longs trains de marchandises. Toujours un peu le souci de ces lignes de fête. Hein. C'est pour ça également que les tunnels de base se construisent. Hein.
clairement pour avoir les trains de marchandises qui où il n'y a pas besoin effectivement de rajouter des locks afin de faire les trains de marchandises à travers les pays. Parce que là, vous êtes obligé de vous faire toute la rampe de la Zemmering pour pouvoir passer cet obstacle de ces montagnes. Évidemment, avec le tunnel de base, une locomotive suffit en règle générale. Nickel donc. Voilà, on se tient à la vitesse, le bloc est ouvert toujours. Peut-être un peu beaucoup là. Voilà. Essayez de garder la vitesse comme il faut. Profiter du tronçon de 70 quand même. Bloc ouvert. Passons maintenant le tunnel de Geiriger avec l'avertissement 60 que nous confirmons. Et qu'on approche le tunnel de Eichberg. Passons même que je réalise que c'était le signal d'entrée de Eichberg qu'on a passé, qui était donc ouvert. Ah, sortie. Oh, c'est bizarre le répétiteur comme il était. C'était comme s'il était fermé. Sortie ouverte donc, hein. Sortie ouverte. Et bien sûr, arrêt à Eichberg. 60 exécutions que nous faisons. Parfait. Et là, comme d'habitude, c'est en courbe. On voit rien de comment on va devoir s'arrêter. Assez tôt hein, quand même, hein. On va vite freiner. Marchandise en préparation sur la voie de débord. Là, cette fois je me suis pris un peu tard. Répétiteur ouvert. Franchement, je sais pas vous, mais moi j'adore ce son de locomotive. Ouais, là de nouveau, un peu loin de la bordure du quai. Je pense qu'il doit y avoir un passage non dénivelé de manière réelle. Là, qu'ils n'ont pas, ils n'ont même pas mis un espèce de petit passage. Mais bon, c'est un détail. On est toujours à l'heure, ouais. Arrivé dans 10 minutes à Payerbach. Devrait pouvoir respecter l'horaire. Et voilà le départ, sortie toujours ouverte. Il a pas pris. Voilà. Alors qu'on croise justement un autre régional au vu de la composition, vu que c'est la même que la nôtre.
Ah, visiblement, là, la Vézel a pris le ralentissement, donc... c'est un peu bizarre comme elle est gérée. Il doit y avoir quelque chose qui m'a échappé. Enfin bref. Et vous voyez, on a déjà descendu plus de la moitié du chemin. De bloc est ouvert avec son répétiteur et également à l'exécution à l'entrée du tunnel de Steinbauer. Franchement, c'est une ligne, je me répète, mais franchement magnifique. Je l'ai depuis plusieurs années maintenant, mais c'est vrai que je me lasse jamais de rouler dessus. Passage sur le viaduc de Höllgraben avant de rentrer dans le tunnel de Pettenbach. Je vous ai pas menti hein, sur le nombre de tunnels. Toujours assez impressionnant. Le signal de bloc est ouvert. Alors que nous approchons de la halte de Cube. Halte en pente, hein, donc il va falloir bien se gaffer au niveau du freinage. Voilà. Donc on passe sur le viaduc de Cube, justement, de Cube Graben, pardon. Repartir à 70 aussi, un peu plus freiner. Quoi, j'ai freiné un peu fort? On me dit que j'ai freiné un peu fort. C'est vrai que le dynamique plus le... le rhéostatique plus le frein à air, c'était peut-être un petit peu beaucoup. Bon, sinon on s'arrêtait pas. on va pas se mentir non plus. Ok, tout juste assez long pour notre train. Gros poteau de LC qui nous embête là. Bahnsteig Richtung Wien. Voilà. Oui, sans traction même. On va même en rajouter un petit peu. Que des deuxièmes hein, d'ailleurs. Hein. Régionaux, on n'a pas de première. Et voilà. Et puis bah, on est déjà gentiment au bout de notre ligne régionale, alors qu'une Taurus se profile à l'horizon. Magnifique, le signal est ouvert. Voilà, la Vézel a pris le frein visiblement, donc on va la laisser faire.
petit viaduc de Payerparkgraben. Alors que justement, on approche le signal d'entrée de Payerbach-Reichenau qui est ouvert, sortie fermée, qu'on va donc confirmer. Voilà, la petite lumière jaune qui s'allume sur l'île Nusi. Gare assez longue, hein, visiblement. Une voie d'entrée de plus d'un kilomètre qui englobe donc le viaduc de Schwarzatal. Magnifique viaduc. 25 mètres de haut là, mais. Et puis voilà! Encore un marchandise qu'on va croiser, toujours avec une 1044 en tête. Voilà. Troncs sont ouverts. Je sais jamais s'il faut les confirmer ceux-là, donc dans le doute. Hein. Et voilà. Qui est encore pas trop long, donc on va essayer de se mettre en parallèle. En tout cas pas trop loin parce que le parallèle c'est un peu foutu. Nickel. Bienvenue à Payerbach-Reichenau, terminus de ce train. Avec une magnifique descente que l'on a fait. Petit bruit du compresseur d'ailleurs que vous entendez. Cet effet discret d'ailleurs. Non, j'arrive pas à tourner la clé du frein. Bon, d'accord. Pas de souci. Je voulais mettre hors service la cabine, mais bon. On va s'imiter à ça. Voilà, lumière de la cabine. Franchement, une loc que, comme j'ai déjà dit, bien sympathique. J'aime bien conduire. Et puis même si je ne connais pas l'original, je pense qu'elle est quand même assez bien représentative. Et donc, voilà. Petit wagon à compartiment, hein, d'ailleurs. Bon jeu, tu vas nous valider ce scénario ou bien? Elle est très jolie cette gare, mais bon, on a fini. Avec le collègue, peut-être service régional en direction de Vienne, je ne sais pas. Il y a un panto en bas. Hein. Voilà, bien joué. Prenez une pause avant votre prochaine mission. Et bien voilà le temps que ça charge, voilà donc les 3 étoiles obtenues, quelques petits excès de vitesse et un petit coup de qualité de conduite, mais rien de bien méchant. Et donc voilà, c'est ainsi qu'on va terminer cette vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou par un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer de prochaines vidéos sur la simulation ou la gestion. Quant à moi, je vous dis d'ici la prochaine fois, portez-vous bien, allez, ciao, bye bye. Yeah.